Voilà, je coupe le live. Bon. On va attendre un petit peu. Faites-moi signe en tout cas si vous êtes là. Salut, salut, ça va? J'attends un petit peu, hein, histoire que les gens arrivent. Je te dis bonjour déjà. Content de te voir en tout cas. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. Je vais pas commencer comme ça alors qu'on est que deux. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu m'entends bien? Attends, je veux juste voir un réglage. Ok, parfait. Est-ce qu'il n'y a pas de souci par exemple avec, avec je sais pas moi, le son ou autre chose tout simplement? Et moins de likes la dernière fois. Oui, parce que j'ai diminué le bitrate en fait. Tout simplement. Voilà pourquoi. Attends, je vais virer ça. Voilà. Bonjour Guillaume Collection. Attendez, bougez pas. Hein. Parce que j'ai le retard avec le live en fait. Voilà. Donc nous sommes deux. Il y a deux viewers pour le moment. Ok, d'accord. Alors ce que je propose, c'est que je ferme peut-être ça. Voilà. Vous m'entendez toujours bien? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de souci avec ça? Donc nous sommes sur 1404, hein, je ne sais pas si vous connaissez un peu quoi. Il y a juste ta facecam qui saute de temps en temps. Ok, alors ce que vous savez ce que je vais faire? Je ne sais pas si je peux la diminuer d'ici directement. Je vais diminuer la qualité, je vais la remettre en 640. Alors, est-ce que là, vous me voyez bien? Ok, bon, est-ce que la webcam saute un peu moins? J'ai diminué la qualité de la webcam. Ah oui, je vais très très bien. Et toi, tu vas bien? Donc nous sommes à 3 viewers pour le moment. On va attendre un petit peu histoire que ça monte. Hein. Donc j'avais dit que je commencerais live à 20h30. C'est peut-être un peu tôt 20h30. Les gens, on est samedi soir, les gens n'ont peut-être pas fini de manger. Ce que je vais faire, c'est un peu bouger peut-être la webcam. Voilà. Ok, bon, ben ça c'est bien. Alors, pour ceux qui ont le retard, je vais juste taper. Ok, elle ne saute plus, ben c'est parfait, écoute, voilà, je suis bien content comme ça me convient bien.
Il y a un décalage par rapport. Moi, je suis en train de regarder le live sur Twitch là, et effectivement, on a un petit décalage. Mais là, on est bien sur le. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu aussi? Nous sommes 4 viewers. Et ben, bon, bienvenue à la personne qui vient d'arriver. Hein. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que vous allez vous amuser. C'est un jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de gestion en temps réel. Donc on va construire des petites maisons, on va poser des maisons. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Anno, ce que je propose, c'est que on parle de si vous avez des sujets ou quoi pour parler, ça serait sympathique. Et moi, j'attends vos réactions. Ce sera plus cool que Star Wars avec les courses. Hein. Et donc voilà. Donc on va attendre. Si y a des gens qui s'y connaissent bien aussi. En Twitch, il faudrait peut-être m'expliquer pourquoi j'arrive pas à foutre le foutu replay sur YouTube. Voilà, donc s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu, qui me disent voilà pourquoi est-ce que ça fait 4 jours, 3 jours que j'essaie de remettre le replay du live que j'ai fait. Alors ce jeu, bah justement, voilà, je viens de recevoir le message alors que j'explique. Ouais, c'est super sympa comme jeu, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors niveau combien sur TSO? Bah, vétéran 8, mais vétéran 8. 9 dixième. Voilà, donc bientôt, bientôt, bientôt vétéran 9. Voilà. Je crois que j'avais dit 9 la dernière fois, j'ai dû me tromper. Ça fait un petit moment que j'ai pas remis les pieds sur le jeu. Je vais y rejouer la semaine prochaine et je vais refaire plein de vidéos. Donc voilà. Donc 4 viewers pour le moment, c'est déjà pas trop mal. Hein. Voilà, j'ai commencé là. Ah, 6! Voilà, nous sommes 6! Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ça commence à monter. La dernière fois, on était à 10. J'espère qu'on sera un peu plus cette fois-ci, tout simplement. Donc ce que je propose là, maintenant qu'on est 6 viewers, voilà, donc, il y a 6 viewers là. Tu feras un stream sur Tesso? Non, non, parce que en fait, c'est sur la PS4. Le souci c'est que. Ou alors je fais un stream que je stream que le truc. Et le problème c'est qu'en fait il y a un gros décalage. Et le décalage c'est par exemple. Le souci c'est que le décalage entre les épisodes que je n'ai pas encore mis et ma partie de maintenant. Ça ferait un très très gros décalage. Par exemple, si je prends maintenant, je crois que je suis à l'épisode, je sais même plus, je crois que j'ai dû mettre l'épisode 200, 300, 380, 381, aujourd'hui peut-être. Du coup, j'ai déjà enregistré 400, 470 épisodes pour le moment. Donc si je commence à faire un live, par exemple, sur la PS4, le souci, c'est qu'il y aura un trop gros décalage par rapport avec la série. Et les gens vont se dire, mais putain, t'as pris. Je sais pas, t'as pris 5 niveaux de vétérans en une journée. Donc non, c'est pas trop possible. Peut-être qu'un jour je ferai du. Je sais pas. Bonjour! Oh! Mena 44, ça c'est Laetitia ça. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia, je suis content de te voir ici. Billy, exactement. Oui, enfin oui, Laetitia. Ouais, moi j'ai l'habitude de l'appeler Laetitia. Mais oui, Billy Bulle, pardon Laetitia. Tu es démasqué. Donc voilà, nous sommes. Bon, on reste assis, je pense qu'on va peut-être monter un peu plus. Hein. Je vais fermer Twitch, voilà. Donc là, je verrai vos messages en différé, hein, enfin, le temps que vous les mettez. Donc ne vous énervez pas si je les vois pas tout de suite. On va se poser bien. Là, je m'étire un petit peu. Donc voilà. Je m'étire un petit peu, on va se lancer. Je pensais partir sur un scénario, peut-être. Donc un scénario de bâtisseur. Alors, je sais pas si vous allez. Alors, perso, moi, j'arrive pas à lire sur mon écran d'XSplit, là, qui est sur ce côté-là. Je sais pas si vous allez. Dites-moi si vous réussissez à lire. Du PVP avec nous. Alors, le souci, c'est que j'ai déjà une connexion de merde. Voilà, le. J'ai déjà. Là, je peux pas stream en plus de 480. Donc, ça veut dire que. Qu'il faut savoir aussi qu'en MMO, t'envoies des fichiers. Donc, je sais pas quelle qualité ça sera du stream en live. Voilà, j'ai jamais testé le live. Mais sinon, dans le pire des cas. Mais moi aussi, j'aime bien. J'aime bien Billy. Donc voilà, le souci c'est que voilà, je sais pas si ça sera possible et si la PS4 va me permettre et d'envoyer du stream en live, enfin du stream, et de streamer et de jouer en même temps. Je sais pas du tout. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'attends vraiment la fibre. Et je pense que oui, quand j'aurai la fibre, quand j'aurai 50 mégas d'envoi, enfin, bref, à la seconde, là je le ferai. Là pour l'instant, je suis à 0,84 d'upload, donc kilo-tête. C'est ça, kilo-octet ou kilo-bits, enfin bref. Donc c'est la grosse merde, je peux stream, mais très léger. Et voilà. Donc, nous sommes partis. Alors, je sais pas si vous savez lire en fait. Attendez, je vais tester un truc. On va regarder dans. Voilà, je vais juste vous mettre. Là, normalement, vous l'avez en direct, hein, le.
Comment j'ai écrit ça, moi? Vous arrivez à lire? Oh, c'est ça. Moi, j'ai réussi hier à streamer quand je faisais du PvP avec une qualité full. Ouais, mais Spider, on n'a peut-être pas la même connexion. Alors là, c'est le souci. Je sais pas quelle sorte de connexion tu as. Si c'est une ADSL, moi pour te dire, je suis en ADS, enfin, la première ADSL, j'ai pas la fibre. J'ai pas la fibre, voilà, c'est ça. Bon, allez, on va se lancer parce qu'on va pas rester là pendant des heures non plus. Je sais pas quelle heure il est, il est 20h42. Oh, ça fait 10 minutes, on est 6 déjà. Nous sommes 8 maintenant, nous sommes passés à 8. J'ai pas actualisé, c'est vrai que j'ai pas actualisé, mais je viens de me rendre compte après une semaine que je vois les nombres de viewers sur la page d'XSplit. Donc voilà, donc on va partir sur un bâtisseur. Donc c'est utiliser les îles vastes et fertiles pour bâtir. VDSL, oui, ben voilà, VDSL, moi j'ai le truc en dessous. Voilà, donc tu vois le problème, quoi. Oui, je sais, ben, j'ai demandé pour avoir la VDSL et ils veulent pas. En fait, on a des câbles aériens, nous, dans notre rue. Et enfin, je l'ai déjà expliqué sur la vidéo de Quoi de Neuf, donc voilà, donc on n'a pas toute la possibilité. Donc on va démarrer le but de cette partie. Je sais pas si j'arriverai en une heure et demie ou deux à y arriver. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire une cathédrale impériale qui est marquée là. Je sais franchement pas si vous arrivez à lire. Hein. On va essayer d'établir 10 000 habitants dans le monde et 5 000 nobles. Autrement dit, c'est une sacrée. Sacrée. Voilà, ça va être chaud. mais il est que 8h43, tranquille. Ah, mais je suis tranquille, c'est juste que j'avais dit que je commençais à 8h30. Et voilà, c'est tout. Donc là, je pense qu'on va partir jusqu'à. Ouais, moi j'ai une co de merde aussi, je te comprends. Ouais, voilà, mais c'est ça, c'est vraiment pénible d'avoir des co aussi pourraves. Après, voilà, je peux rien faire. Tant qu'ils n'installent pas, en fait. T'as mangé? Oui, j'ai mangé. Oui, j'ai mangé. C'est à moi que tu parles, Guillaume. J'ai mangé, voilà. Si tu veux savoir, j'ai mangé des saucisses avec des pommes dauphines et des courgettes avec de l'herbe de Provence sur un grill. Voilà, c'était très très bon. si tu veux vraiment le détail, putain, j'arrive à m'étouffer avec de l'eau. Levez l'encre. Donc apparemment, vous me dites que la qualité est un peu plus fluide que la dernière fois. Ça va être vraiment pas mal. Donc nous sommes partis, voilà. Donc voilà, attendez, je mets bien le Cette clavier île parce est que... destinée à devenir votre nouvelle demeure. À vous d'y construire une métropole florissante. D'accord, bah écoute, hein, voilà. Alors, vous pensez être qualifié pour devenir un bâtisseur? Oui, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Donc nous y voilà, donc nous avons la première maison. On va déjà commencer par placer... place de marché, petit bâtiment. La place de marché un peu plus loin. Alors il me semble que, si je dis pas de bêtises, la place de marché, on peut pas la mettre. Voilà. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, vous avez des zones et vous pouvez construire que dans les zones. Et il faut, par exemple, pour un bâtiment, il faut par exemple deux bâtiments qui vont faire que ça va débloquer. Voilà, ça fonctionne comme un arbre. Comme un arbre de construction. Donc on va commencer par construire ça. Voilà. Alors, bon, on va... Je sais plus c'est qui le touche, putain, pour faire tourner les N. Non, pas du tout, ça c'est l'outil pipette. C'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder les touches avant de me lancer dans le machin. Options... Alors, les graphismes, non, interface... affection des touches, voilà. Rotation, où est-ce qu'il est? Pivoter les bâtiments vers la droite. Ok, c'est le point. Alors, tac... Tac. Si vous connaissez mieux le jeu que moi. Ah bah tiens, celui-là il pivote pas. Pourquoi il pivote pas? C'est pas le même point? Ah, c'était pas le même point, d'accord, ok. Anneau 2045. Je connais pas du tout. T'es sûr que moi j'ai le 2000, 2070, là, donc c'est avec là, hein, tu vois. Voilà, la qualité meilleure. Ah bah ça me fait plaisir, tiens. J'ai le 2000. Le 1404 et le 2070. 2045, je le connais pas. C'est pas 2200? 2200, un truc comme ça? Bon, bref. Allez hop, on va commencer. Le souci c'est qu'il faut une route. Si je commence pas à mettre de route, c'est déjà la merde. Voilà. On va déjà mettre ça. Regardons où en sont les... Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, dites-moi. Ça fait un bout de temps que j'ai plus joué sur le jeu. Je vous promets pas de faire des trucs exceptionnels. Tout ce que je sais, c'est que le bois et la pierre, c'est très important au début de partie.
Normalement, on a la possibilité d'en acheter. Donc là, nous avons 29 tonnes. Il va falloir que je m'y remette par contre, j'aurais peut-être dû m'y remettre un peu avant, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Ce que je propose c'est qu'on voilà, on va déjà mettre des gens. De toute façon, pour débloquer en fait la suite des bâtiments, on a évidemment besoin de plusieurs personnes. Donc plus on a de personnes, plus ça va débloquer le bâtiment. Et ensuite, une fois qu'on aura débloqué un certain nombre de paysans, on pourra passer sur le succès du dessus. Tout simplement, c'est assez simple. Il y a des remparts sur ce jeu je pense pas, je sais plus du tout. Donc ce qu'on va faire, voilà, tiens, hop, il faut les relier. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On verra bien ce que ça va donner. Donc 8 viewers, bah, c'est pas mal, hein, ouais, c'est ce qu'on était à peu près la dernière fois comme machin. Voilà, mettons des gens. Va surtout falloir aussi garder de la place pour les autres trucs. Voilà. Non, pas de rempart. Donc voilà, ben voilà. Bidi, tu viens de m'ôter les mots de la bouche. Alors, ah, si je me rappelle bien, il y a un mode aussi carte postale assez sympa, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Petit mode carte postale, une fois qu'on aura développé la ville, ça sera un peu plus sympa. Quels sont tes prochains jeux, quoi, sur stream ou bien sur la chaîne? Parce que sur la chaîne, vous le savez, ce sera The Forest qui arrivera normalement d'ici une petite semaine, je pense. Alors. Voilà, bon ben voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre des cabanes de bûcherons. Franchement, je vous le dis, ce soir, ce sera à la cool. Hein. Je vais pas m'énerver sur des jeux ou quoi que ce soit, alors que j'ai tendance à beaucoup m'énerver. Hein. Les gens qui ont joué avec moi, voilà, j'ai tendance à rage-quitte assez. Mais là, j'ai pas envie. On va essayer de monter notre petit village. À la limite, j'enregistrerai, je repartirai plus tard sur la suite. Quoi. Donc... Est-ce qu'ils sont heureux, ces gens-là? Ces gens-là ont l'air assez heureux. On peut leur monter le niveau de taxe. Ils ont besoin de nourriture et de compagnie. D'ici quelques temps, je pourrais acheter le champ qu'il y a derrière ma maison, au lieu de le louer. Spider, tu parles à moi. Tu parles à... Attends, qu'est-ce que... Je crois que les deux... Quels deux? Je vois pas de quoi tu parles, Spider. Donc tu as dit que tu as pris les packs avec Tale of Borderlands. Oui, oui, Guillaume, je l'ai pris aussi, mais je sais pas si je vais le faire parce que je... À une gamme de bâtiments plus vaste. Ah, ben voilà, on a débloqué un truc. La cidrerie, c'est chiant par contre. Parce qu'ils ont tout le temps besoin de ça, c'est pas grave, on va commencer à monter. Alors, le bois, est-ce qu'il monte assez vite ou pas? Il me semblait qu'il y avait un plus gros moyen pour savoir le nombre de bois qui montait. Je sais plus du tout où c'est. Dark Souls, je sais pas comment tu arrives à jouer à ça, Bidi. Moi, je pète des câbles là-dessus. Je suis incapable de jouer à ce genre de choses. Ça me gonfle et j'ai envie d'exploser. Je te l'ai déjà dit, en plus, j'ai envie de... Putain, je comprends rien à ce qui se passe, les gars. J'essaie de suivre le chat en même temps que de jouer. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. On va essayer de foutre hop, des trucs. Des bâtiments... non, bâtiments de marché. Non. Tac. On va mettre un... Non, putain. Là, merci. Alors non, il n'y a pas un nombre de pourcentage, parce que j'ai joué récemment au 2070, là, dans le futur, et il y a des trucs qui changent, et en fait, je pensais que ça allait être un peu pareil, en même temps, voilà, c'est logique, mais normalement, il y a une zone qui fait que... Alors, il en produit 5, d'accord, je peux pas savoir en combien j'en produis... Normalement, il y a un truc qui nous permet de voir combien on en produit par heure. Alors, étant fan de Borderlands, j'aimerais un jeu avec une histoire. Je connais pas du tout. Je disais, enfin, j'ai le premier Borderlands, j'hésitais à le faire pour la chaîne. Mais voilà. Alors, j'adore, il est magnifique après, c'est bon. Ah ouais, mais les jeux sont pas forcément moches, hein, Bidi, sur Dark Souls. Mais moi je peux pas, j'arrive pas, moi je pète des câbles là-dessus. Votre
votre colonie s'est étendue. Ah, putain, on a déjà plus de bois, il faut fort attendre. Votre ville progresse superbement. Bon travail, merci, continuez. Voilà. Donc c'est une mine de quoi, Sam ? Merveilleux. Vos actions ont augmenté votre honneur dans cette région. Parfait. Donc bâtisseur. Établir l'habitant, d'accord, ok. Alors on va essayer de grimper. Chaque marchandise transportée à bord de ce vaisseau a été livrée à bon port sans encombre. Parfait. Ouais, mais je sais pas comment vous faites pour jouer à des jeux pareils. Hein. Moi, je pète des câbles, hein, sérieux. Moi, j'arrive pas à ce genre de jeu. Je deviens fou. On va mettre ça comme ça. Bon, ils ont l'air bien, en tout cas, les petits paysans. Et qu'est-ce qui leur manque ? Ah, il faut un endroit où prier. Ok, d'accord. Bon, on va leur mettre une petite chapelle. Matériaux de construction, évidemment. Mmh. Ok, d'accord, bah, je verrai. Hein. Sinon, là, vous avez... La vieille... Attendez, bougez pas, j'ai écrit un truc. Voilà. Alors, tu verras ce que le PSN numéro je suis. Bernard, bonjour Bernard. C'est ça un live à 21h ? Non, c'est pas ça. Le live était à 20h30, Bernard. Tu arrives une demi-heure en retard. D'ici quelques temps, je pourrais acheter le champ qu'il y a derrière ma maison, au lieu de le louer. Ok, alors, hop. Il me faut 12 bois. Le bois est la ressource la plus pénible à avoir dans le jeu. En tout cas, en début de partie, il faudrait que je m'installe. Non, mais t'inquiète, y a pas de soucis. Là, c'est vraiment un truc cool où on est posé tranquille. T'as pas vraiment besoin de comprendre. C'est juste qu'en fait, c'est un jeu de construction. Enfin, un jeu de gestion en temps réel, voilà, c'est mieux. Où le but, en fait, où je vais essayer de construire une cathédrale, avoir 10 000 habitants et 5 000 nobles. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est un jeu avec un arbre de construction. Donc, si tu veux, il faut, par exemple, deux bâtiments spéciaux. Enfin, deux bâtiments pour en construire un troisième. Bref, tu verras, ça, c'est simple. Je m'étouffe moi-même. Attends, je bois un peu d'eau, voilà. C'est à force de blablater. Et sinon, Bidi, t'es passé V16, là, comme... Enfin, t'as plusieurs persos, mais V16, maintenant, non ? Logiquement. Est-ce que tu... Je sais pas si vous jouez encore beaucoup. Moi, c'est vrai que j'ai arrêté pendant un petit moment. Je vais y retourner, là. Commencer cette histoire de la guide de dévoleur, qui sera vraiment pas mal. Par contre, je sais plus comment on fait pour mettre des bâtiments autre part.
Regardez donc. Voyez avec quel entrain votre peuple veut exprimer sa foi. On va leur foutre une putain de truc parce qu'ils vont emmerder jusqu'au bout. Avec ça, tiens, je vais la mettre là comme ça. Voilà, gardez ça comme ils vont être contents. Gardez ça comme ils vont être contents. Un bâtiment absolument. C'est pas joli ça. Les citoyens ont emménagé dans votre ville. Ah ben voilà. C'est un vrai bonheur de vivre ici. Bon ben ils ont l'air tous heureux, parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre... Félicitations. Merci. Vous gérez votre colonie avec un talent. Merci, voilà, sans honneur, c'est parfait. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va foutre des gens-gens. Parce que les gens-gens, ils sont bien. C'est à vous que revient le dernier mot concernant l'accord de citoyenneté. Voilà, on va foutre un... Putain, je sais plus comment on fait. Normalement, il faut construire un autre... Alors, l'édit du commerce empereur, d'accord. Ok, d'accord. Accomplissement, progression de niveau, ça, c'est parfait. Voilà. Et sinon, vous faites quoi de beau ce soir à part regarder jouer un jeu de construction et de gestion en temps réel? Alors, du coup, route, non. Putain, c'est quoi? C'est un bâtiment, petit entrepôt. L'entrepôt. Il y avait un bâtiment qui faisait que tu pouvais construire dans la zone. Et je sais plus du tout c'est lequel. Parce que là, le souci, c'est que je peux pas construire plus loin que ça, pour les bâtiments. Si quelqu'un a une idée... Ah, mais si, je crois que je sais. Faut que je mette plus de... Voilà. Il me semble que ça va être ça, niveau de matériaux. Ouais, c'est le bois qui va faire chier, en fait. Le bois va vraiment faire chier jusqu'au bout. Il est temps de vous préparer à lever l'ancre. Ça parle plus beaucoup là dans le chat, hein. J'ai pas envie de vous dire, mais ça parle plus beaucoup. Je vois. Attendez, je vais redescendre un peu la cam. Voilà, comme ça on est bien. Sauvegarder. Merci. Boum. Et alors, moi je comptais sur vous pour animer le live la soir. J'ai un peu la flemme. Oui, qui s'en fout. J'ai un peu la flemme. Bon. Ah, tu repars sur Dark Souls après? Ok, d'accord. Bah écoute, amuse-toi bien, hein, écoute. Donc là, pour ceux qui sont toujours là, on a débloqué le deuxième niveau de bâtiment. Hein, donc c'est les citoyens, voilà. Donc en fait, les citoyens ont envie de plusieurs choses, comme vous pouvez voir, comme des vêtements et de l'amusement. Hein. Donc au fur et à mesure où on aura du monde, il faudra augmenter leurs besoins et ou supprimer des bâtiments. Voilà, tout simplement. Pour remplacer des nouveaux. Ah là là. Mais il y a vraiment un bâtiment que je sais plus là par contre. C'est le bâtiment qui me permet de construire plus loin.
J'ai un gros problème. Tant que j'aurais pas trouvé ce bâtiment-là, j'aurais un gros problème. Non, c'est le marché, ça. Je sais pas encore quelle heure il est. Jusqu'à 22h, 22h30, peut-être. Où j'aurai bien. Mais là, je suis vraiment emmerdé, parce qu'il y a un putain de bâtiment, je sais plus ce qui... Parce que normalement, la construction des bâtiments, là, c'est un entrepôt, mais... Qu'est-ce qui fait qu'il construit... Ah bah c'est ça, non? Et pourquoi il l'appelle petit bâtiment de marché? C'est pas un marché? Il y a peut-être une erreur dans... Attendez, je vais tester un truc. Est-ce que là, maintenant, je vais pouvoir... Ah, voilà, c'est qu'en fait, c'est qu'il l'appelait marché. Mais pourquoi ça s'appelle marché? C'est pas censé s'appeler marché, en fait. Voilà, c'est bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir, c'est juste que le nom avait pas le même que d'habitude. Voilà. Bon, bah, tant qu'on y est, hein. Hop, allez, fais péter. Ouais, oui, c'est vrai. Ah, mais il est 21h, voilà, il y a l'épisode 2 de The Walking Dead qui est arrivé. Je vous invite à quand vous serez plus en ligne, d'aller le voir. Voilà, oui, c'est vrai. Merci Tristan de l'avoir remarqué. Moi-même, j'avais un peu zappé le truc. Et oui, effectivement, il y a l'épisode 2 de The Walking Dead, la saison 2 que j'ai commencé hier soir, d'ailleurs. Donc, pour ceux qui nous regardent... Je serais ravi de vous proposer ceux dont je dispose. Ah bah c'est bien sympathique. Donc tous les gens qui sont motivés après ce live, il y a l'épisode 2, voilà, c'est ça. Donc bah oui. Bah oui, pourquoi? Je l'avais programmé, donc autant faire deux choses à la fois. Comme ça, et je suis sur Twitch et je suis sur YouTube, moi je suis partout. Alors. Salut Master, bien content de te voir. Être construit. Je crois que j'ai fait peur au chat, la gueule comme ça. C'est vrai que vous avez jamais vu le chat, donc... Viens, je te dis. Attendez. Allez, viens, n'aie pas peur. Oh, arrête. Voilà. Voilà le chat. Ce chat qui m'emmerde de temps en temps. Mais sinon, elle est super adorable, hein, franchement. Mais voilà. Quand je fais des vidéos, c'est généralement elle qui m'ennuie. Oui, c'est triste. Mais je l'ai fini, là. Je ne spoilerai pas sur le live. Mais clairement, oui, elle est un peu triste. Et ma fin, parce qu'il y a cinq fins différentes, et ma fin est très triste. Voilà, donc attendez-vous à quelque chose d'assez triste à la fin de la saison 2. Donc voilà, j'en en dis pas plus, pour pas spoiler. J'ai entendu mille choses incroyables sur l'Orient. Ben, je suis bien content pour toi, mon ami Lord Richard. Vous m'appellerez Lord Nero maintenant, ça vous va? Donc voilà. Du coup, on en était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bâtiments. Là, je pense que ça va commencer à être bon. On va commencer à foutre des baraques, parce que les baraques, c'est la vie, les baraques, en fait. Franchement, les paysans, c'est la vie. C'est le bas-peuple. C'est le mec qui se... Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on a de paysans, enfin, plus on a de personnes qui vivent dans la ville, qui est logique, plus on débloque les bâtiments. Donc ça, c'est un truc assez important. Construction suivant. Ok, d'accord. Est-ce qu'ils sont heureux? Alors, insatisfaits. Pourquoi ils sont pas... Pourquoi ils ont... La compagnie? Mais qu'est-ce qu'ils entendent par compagnie? Pas de route. Ah oui, oui, c'est plutôt embêtant, ça. Plutôt embêtant, j'avoue. Tiens. Non, là, j'ai déconné, parce qu'en fait... Alors, c'est V. Hop. Tac, tac. Voilà. Ça, je me rappelais de la touche. Hop. Voilà. Toutes les deux maisons, faut faire un truc, parce que sinon... Ils pètent des câbles, ils sont pas contents, ils sont pas reliés. Voilà. Voilà. Donc, bah ça monte pas très vite tout ça. Hein. Alors, est-ce que eux sont contents? Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites dans cette... Ah oui, mais j'ai oublié de mettre des trucs pour pêcher, pour qu'ils pêchent. Bien vu, ça, hop, on va foutre un truc de pêche. Alors par contre, est-ce que j'ai assez... Ah merde, j'ai pas assez de... d'outils. Normalement, si je me rappelle bien, il a la possibilité d'acheter... Il est où, là, le Lord, là? Comment est-ce que je peux arriver à le...
Et tu vas stream quoi d'autre comme jeu? Tu as une idée? Oui, je vous réserve quelques surprises. Alors, j'en dis pas spécialement plus. Mais par exemple, il y a lundi soir, je vais partir sur un stream d'ailleurs qui sera Bully. Non, alors, je vais voir si le jeu fonctionne parce que du coup, j'ai dû le prendre sur PC. C'est Canis Canem Edit ou Bully sur PS2 pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un jeu où c'est un peu un GTA mais où on est à l'école. Voilà, c'est un GTA à l'école. Donc c'est un jeu qui est assez sympa. Je vais essayer de faire ça pour lundi, sinon ce sera un autre jeu. Mais voilà, je pense que ça plaira bien. Ce sera un peu plus nerveux que là parce que là c'est très cool. Hein. Là on se touche un peu. Donc voilà, on n'a pas grand chose à faire. Du coup. Je voulais partir sur du truc à poisson, mais il n'y a plus d'outils. Alors, c'est ça que je voulais voir. La diplomatie, elle est où là-dedans? Lord Richard. Il n'y a pas moyen de... Je sais plus comment on achète... Putain, je savais que j'aurais dû y jouer avant de... Ça fait quelques mois que j'ai pu jouer à l'autre. Il me faut des putains d'outils. Et ça, c'est le souci, c'est que je les ai pas, les outils. Je les ai pas et il me faut le bateau de l'autre gros... pour vendre les trucs. L'or, ça va, ça se passe. Skyrim, mais je l'ai pas sur PC, Skyrim. Je l'ai sur 360. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine que je l'achète sur PC? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bon, il est pas cher, je crois qu'il est à 9-10 euros. Mais si vraiment j'ai une grosse demande, peut-être. Mais sinon voilà, quoi. Il faut savoir quand même que sur la chaîne, j'ai fait 180 épisodes de Skyrim. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que... De toute façon, là, le PC, nickel, hein, je pourrais même le modder comme je veux, parce qu'il n'y aurait qu'un souci. Mais voilà, je sais pas si ça sera très intéressant, tout simplement. Alors, par contre, cabane d'outils, ça, je peux évidemment pas le faire, puisque... Oh, si, je peux! Mais il me faut 5 outils. Donc, en fait, pour construire une cabane d'outils, il me faut 5 outils que je n'ai pas. Ah ben là je suis pas dans le caca puisque de toute façon il faut je sais plus comment faire. Il y a un jeu sur Steam, c'est 60 secondes, faut survivre dans un bunker, ça a l'air sympa. Je vois pas. Sur Steam tu dis? Attends, tu sais quoi? Attends, bouge pas. Hop, je vais le mettre sur un post-it. Tu m'as dit quoi? C'est quoi le nom du jeu, Bidi? 60 secondes. Je vais mettre bunker et ça, c'est suffisant. Voilà. Ah oui, sur Skyrim, sur PC, oui, mais à condition qu'il soit modé. Parce que... est affamée, alors que les poissons... Mais j'aimerais bien construire une cabane de pêcheurs, mais là, je crois que j'ai complètement. J'ai bugué, tout simplement. Voilà, c'est du grand Nero. C'est du grand n'importe quoi, comme d'habitude. Parce que là, le souci, c'est que j'aimerais bien construire un putain de truc à outils. Mais il faut des outils pour construire un truc à outils. Et normalement, il y a un bateau, putain, il y a un bateau pour faire ça. Attendez, bougez pas, je vais essayer de voir sur le net. Ouais, il est beau, mais il faut 60 secondes. Ah ben d'accord, j'ai mis 60 secondes. J'essaierai de voir, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Si vous avez des idées de jeu à me proposer, allez-y. Hein, moi, j'ai pas d'a priori ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas. Alors, 60 secondes plus exactement. Qu'est-ce qui... Ça change rien. Ah oui, c'est secondes en anglais. Ok, d'accord. Ok, d'accord. D'accord. Ok, attendez. J'ai trouvé la solution sur Twitch. Enfin, sur machin. Donc, il y a l'entrepôt. Putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Voilà. Et là, normalement, je fais ça et je peux acheter des outils. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est bon. Mais il faut que j'attende, non? Faut que j'attende qu'il arrive, c'est ça?
Arma 3 League of Legends. Mais League of Legends, j'y jouais. Je jouais dans le top avec... Oh, le guerrier, là. J'aimais bien le top. Et aussi, moi, j'essayais de choper Nautilus. Voilà, moi, je suis plus, plus avec les gros machins que... G-Mod. Garry's Mod, c'est pas ça, non, Garry Mod, un truc comme ça, là. Oui, c'est des jeux que je pourrais jouer. Oui, mais c'est en multi, ça, non? C'est en multi, donc là, le problème, c'est que c'est ça à chaque fois. J'avais pensé aussi à... c'était à H1... Non, H1Z1, un truc comme ça, non? Les intérêts de l'Empire. Il y avait un jeu comme ça qui avait l'air à pas trop trop mal. La chorale des enfants. Mais le problème, c'est que j'ai pas trop... The Land Dark, Stand... Ouais, ça... ouais, il y a plein de bons jeux, là, en fait, que tu me cites, là. Hein. Franchement, Donc, le souci, c'est que là, je suis dans la merde, parce que dans le jeu, hein... Dans le jeu qu'on est en train Votre de faire. Le peuple souffre de la famine. Oui, oui, j'ai complètement merdé. Alors, Arc, il m'intéresse beaucoup. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de le stream en 400 H1Z1, voilà, c'est ça. Merci, Master. H1Z1 qui avait l'air vraiment pas mal. Alors là, je vous avoue que j'ai failli, mais complet. Je suis en train de. Mon peuple est en train de crever parce qu'en fait, j'ai. Le souci, c'est que j'ai pas pensé aux outils. J'étais focalisé sur le bois. Et du coup, là. Mais normalement, il y a le moyen d'acheter, en fait. Minecraft, ouais. Minecraft. Mais sinon, c'est un beau jeu, les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est beau, mais ils sont tous en train de crever la dalle. Parce que j'ai pas fait mon boulot comme il faut. Et je crois que je vais arrêter les jeux de gestion. Parce que... non, j'aurais dû simplement commencer. Là, j'attends, en fait, le bateau qui doit arriver. Je sais pas si on peut l'amener directement. Je crois pas qu'on puisse l'amener directement, mais en fait j'aimerais bien acheter 20 putains de trucs. Ah oui, mais là c'est un carnage total, hein. Je suis bien. Je me rends bien compte, c'est un gros gros fail et on va continuer à essayer de. En plus il sauvegarde la partie, donc c'est fantastique, mais ça c'est. Voilà, c'est de la merde. Partie sauvegardée. Oui. Yeah. Alors, ils crèvent bien tous la dalle, là, ou pas? Ah oui, ils crèvent bien tous la dalle. Ils sont pas du tout contents, là. Il va y avoir des émeutes et tout, ça va être le bordel. J'ai trop merdé sur les outils. Putain, j'attends ces outils, là. J'attends que l'autre arrive avec son putain de bateau. Parce que là, je suis dans la merde. Là, je suis coincé, en fait. Tant que le gars ne vient pas avec son bateau... Ouais, ils vont tous claquer, voilà, j'ai mis 20 maisons à tout péter. À de violentes émeutes dans le... Ah ben voilà, en fait, on fait d'un jeu complètement tranquille, un jeu complètement pourri. Ah ben voilà, regardez, là, ils sont en train de faire une petite rébellion. C'est le bordel. Les Sims, ben j'ai les Sims 4. Putain, c'est une bonne idée, Sabidi. Sabidi, je vais faire un stream sur les livres, ben, pourquoi pas lundi. Ou alors avec... ça pourrait être drôle, ça, les Sims, bien vu, Vidi. Regardez-moi ça, il faut une jolie petite rébellion. Juste Cause 3, je l'ai pas sur PC. Après voilà, il y a des jeux aussi, il faut voir le prix des jeux. Je vais pas dépenser 60€ pour un jeu, pour le stream en 480 pour le moment. C'est comme The Forest, ça me ferait chier le stream en 480. Après je peux le faire, mais ça risque d'être, la qualité risque pas d'être extra quoi. Mais c'est vrai que les Sims 4, pourquoi pas, avec des mods, modés, ça pourrait être bien drôle aussi. Il y a des mods assez sympathiques. C'est clair, ils sont tous en train de se taper. Oui. Oh putain, on a des outils, faisons péter le machin, faisons péter la bouffe, parce que sinon ils vont me tuer. C'est combien ça? C'est 5 outils, et le machin de poisson, c'est 3 outils, on est sauvés. L'incendie géant détruit la ville, c'est le bordel, y a rien qui fonctionne, c'est le... Attendez, bougez pas. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, normalement, il y a le truc à outils, là. Tac. Truc à outils. Parfait. Excellent. Bam. Allez, bouffe-moi ça.
Oh putain non, c'est quoi ça? J'y arriverai jamais, je vais juste... J'y arriverai jamais. Oh putain, il y a tout qui crame et tout. Bon. Mais sinon, à part ça, c'est un très très bon début de stream, j'ai envie de vous dire. C'est fantastique. Far Cry 1. Far Cry 1. Oui, c'est vrai, ça peut être une bonne idée, ça, Far Cry 1. J'ai vu... en grande surface, putain, il y a tout qui crame. J'ai honte de moi, j'ai honte d'avoir oublié ces putains d'outils. Le pire là, c'est que du coup, j'ai même pas de pierre. Le souci, c'est que j'ai même pas de pierre en fait. Putain, ils proposent pas de la pierre. Est-ce que j'ai assez pour créer une mine? Est-ce qu'ils vont au moins vouloir créer? Attendez, on va supprimer les bâtiments qui sont en train de cramer. Voilà. Ah, je peux pas les supprimer? Votre ville doit se développer avant de pouvoir évoluer. Ah mais c'est début chaotique, je vous promets que j'en ferai un autre, mais en ayant réfléchi à ce que j'allais faire avant. Parce que là je me suis lancé dans un truc. C'est chouette hein, c'est un simulateur d'émeute en fait. C'est pas un jeu de gestion en temps réel, c'est un simulateur d'émeute. Regardez avec leur petit panneau là, y a même rien d'écrit là-dessus, c'est scandaleux. Pourquoi y a rien d'écrit là-dessus? Ils ne revendiquent rien, ils revendiquent des pancartes tombantes en fait. Ah ouais, mais là, complet, je me dis, là, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Ainsi, t'as cessé de produire des marchandises. Vous savez ce qu'on va faire? Attendez, on va repartir sur de bonnes bases. Voilà. Oui, je vais changer de jeu, je pense. Attendez, bougez pas, on va essayer de voir un truc, on va changer de jeu. On va partir sur un truc beaucoup plus con. Voilà, ça c'est fait. On s'arrête là tout de suite. Je vais lancer Room Station. Attendez, je vais... Oh putain, c'est pas... Oui, gros file, mais vous savez quoi? Eh ben, ce fut bien drôle. Voilà, ce fut bien drôle. Je prends la manette, je vais brancher la manette. Parce que j'en ai fini des jeux de gestion. Hein. De toute façon, je fais que de la merde, donc c'est même pas la peine. Quand je suis pas en live ou quand je joue tout seul comme ça sur un jeu de gestion, j'ai jamais de soucis. Et bizarrement, quand je live les trucs, c'est toujours la merde. Alors. Voilà, donc là je suis sur le machin. Voilà. Et effectivement, on a perdu du monde sur ce jeu. Alors attendez, j'ai modifié le truc là parce que de toute façon, c'est pas la peine. Donc dans mes jeux, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lancer? Est-ce que vous connaissez Sly Raccoon? Non, c'est un jeu assez sympathique, Sly Raccoon. C'est un truc assez drôle. C'était sur PS2. Sinon, on peut... Oh, je sais pas trop, moi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah, et Sly Raccoon, ça peut être drôle. Évidemment, il faut le temps qu'il se lance, bien entendu. En tout cas, c'est un fail, mais... Ah ben tu attends parce que j'ai failli le truc que je voulais, j'aurais dû me préparer, je me suis pas préparé. C'est une honte à moi, voilà, je le sais. Alors Sly Cooper, ah oui, ouais d'accord. Putain, en plus ils ont plusieurs noms sur le truc. C'est un petit jeu assez sympa, mais tu vas voir Tristan, t'inquiète, je vais essayer de gérer ça. Alors, eux, ils l'appellent Sly Cooper, mais c'est Sly Cooper, attendez. Je suis toujours là, hein. Pas de soucis, c'est juste que...
Bougez pas, je suis toujours là. C'est un truc d'urgence. Ils sont en train de faire un truc d'urgence. Voilà. Alors, attendez. Parce qu'en plus, j'avais commencé une partie, en fait, de Sly Raccoon, donc du coup, vous allez prendre au plein milieu du truc. Et j'aimerais bien juste revenir... Centre écran. Oh putain, je sais pas du tout. Ça va, ok. De toute façon, là c'est parti en couille, trop parti en couille. De toute façon, quitte à tout merder, autant merder jusqu'au bout. Hein. C'est mon deuxième stream et c'est vrai que je m'étais pas préparé. J'aurais dû. Voilà, j'aurais dû tout simplement. Je voudrais juste sauver, quitter. Voilà, oui. On va essayer de lancer une nouvelle partie sur Sly Raccoon. Alors. Continuez toi, menu tout select, voilà. Ouh, eh bah tout se passe très très mal ce soir, dis donc. Attendez, parce que normalement il y a la sauvegarde. Ouh putain, tout est mal parti là, tout est très très mal parti, il y a rien. Le jeu s'affiche pas, c'est normal, c'est que j'avais lancé une partie, donc du coup il est toujours sur mon ancienne sauvegarde. Attendez, faut juste que je trouve un truc. Putain, c'est le bordel de toute façon alors. Hein. Attendez, bougez pas. Vous savez quoi, deux secondes, je reviens, hein.